Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6. Je voulais vous dire merci parce que vous êtes déjà de plus en plus à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche sur la chaîne. Je le ressens avec les stats, merci de plus en plus à être présent sur cette série. Ça prend du temps, mais c'est du temps où je m'amuse et que je prends du plaisir grâce à vous et je vous dis merci. Comme chaque début de vidéo, je vous présente qu'est-ce qu'il y aura dans le coffre caché. Les coordonnées se trouvent dans la vidéo et je vous souhaite évidemment une très très bonne vidéo. N'oubliez pas votre petit like et votre petit commentaire, ça me fera plaisir. Voici ce que cachera ce coffre dans les coordonnées qui seront cachées dans la vidéo. Donc évidemment, il y a du stuff Pratt, il y a des Calumet les amis, il y a des Robin des Bois, il y a des UPVP, T27, des T25, il y a de la dynamite, des blocs d'émeraude pour faire du bitcoins. En tout cas, n'hésitez pas les gars, très bonne recherche dans la vidéo. Et n'oubliez pas les gars, merci de vous abonner et activer la notification, on devient famous grâce à vous. Merci. Les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 6, je vous représente l'équipe de la V2, il y a la fidèle et la infidèle, donc regardez-moi ces petits kikoulol qui travaillent avec nous H24 à farm et à faire les totems et les KOTH, regardez comment ils sont beaux, regardez leur petite tête, regardez. Bon, il n'y a pas tout le monde évidemment, parce que tout le monde, à 14h19, ils sont sûrement en train de regarder un replay de The Voice ou je sais pas trop quoi. Donc les amis, l'épisode numéro 6, c'est très simple, on va présenter toutes les chambres que vous voyez ici dans notre FOM, donc dans la base Claim 180 Chunk, créée par Killer, VH, toute la fac en fait, et Brad aussi, tout le monde en fait, hein. Il y a vraiment tout le monde. Et puis également, nous allons évidemment mettre en place le défi, on a dit à chaque like sur l'épisode numéro 5, on allait reposer des spawners. Donc niveau place, ça va être un peu la merde, mais on va trouver une petite solution, j'espère que ça va aller pour placer tous ces spawners de merde. Les amis, on commence la première chambre avec le petit Rafou, avec 404 et ST4 qui sont pas là malheureusement, il n'y a que Raphaël qui est là. Donc on va présenter, donc pour info, je n'ai pas encore vu les maisons qui sont dans notre base claim. Donc c'est une première découverte, donc je ne sais pas du tout les thèmes qu'ils ont mis, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver à l'intérieur. Donc Raphaël, salut, bienvenue chez toi. Donc alors, petit event, va voir sous le pont. Allez, ça commence bien, il commence à me donner des ordres. Bon, quel pont, frère? Il n'y en a qu'un de pont. Lui? Et ah, mais attends, mais je vais mourir, j'ai pas de pomme shit. C'est tellement rare sur Warcraft. Ah putain, allez-y, arrosez-moi de pommes. Raphaël, c'est quoi le thème de ta base? Est-ce que c'est Nether? Ouais. Ok, c'est bon, j'ai gagné un point. Donc tu m'as dit d'aller voir sous le pont, mais... Ah, ici. Ah ouais, ok. Comment je fais pour passer? En fait, il y a un panneau sous le pont et tu dois lire le panneau. Oh putain, cet event, tu vas prendre 6 ans. Non. Va voir le Blaze. Il y a un Blaze, les gars, est-ce que vous voyez un Blaze? Ah, il est là. Ok. Va voir à droite. Putain, il commence à me rendre fou avec son event. Rentre dans le pilier de la lave à ta droite. Toi. Putain, mais. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est don de 404 et Raphaël. Ah, c'est un don en plus. Les gars de ma faction font des dons, les amis. J'espère que c'est pas de la merde, Raphaël. Sinon, je te kick de la fac. Ah putain, c'est quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, ça fait un cœur au milieu. Oh, c'est trop chou, Rafou. Et là, c'est quoi? Oh, c'est trop chou. Ah, merci. Ah, c'est gentil. Merci à vous, les gars. Merci à 404, ST4 et à toi, Raphaël. Ça me fait plaisir. Que pour rappel, on recrute toujours dans la infidèle et dans la fidèle. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour votre candidature. Je te fais un petit clin d'œil de loin. On va visiter la maison à PVP Mif Khan. C'est à nouveau dans la fac également. Il va d'arriver un petit champion. Alors, qu'est-ce que c'est sa farm, sa base? Il n'y a pas de micro. Donc, on va essayer de découvrir ce que c'est. Donc, en fait, c'est une déco enclume. Ok, c'est une déco enclume avec ses coffres, tranquille, pépère. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas une déco de ouf, mais c'est tranquille, c'était pépère. C'est une déco un peu chevalier, je trouve, avec mon pack de texture. On dirait qu'on est dans un château fort, gros, avec les enclumes. Donc je sais pas si c'est ce qu'il y a trouvé un peu à faire. Il n'y a pas de surprise ou quoi en dessous des trappes au cas où? Non, il m'a pas laissé de cadeau. Non, il m'a pas laissé de cadeau. Ok, bon, je te donne une note. Allez. Celle de Raphaël, on va dire, les amis, donc donnez vos notes dans les commentaires également. Raphaël, je te donne la note, franchement, j'ai bien aimé l'event et tout, je te donne la note de 7,5 sur 10. Parce qu'il y a l'event et tout, j'aime bien. Je sais pas si les notes ils vont être un peu salées, mais je trouve que c'était pas mal. PVP, je te donne la note de 5 sur 10, parce que bon, il y a que des enclumes de poser et tout pour l'instant, mais c'est normal, tu viens d'arriver, donc je te laisse le temps.
Ah non, ici j'ai pas été. J'ai 800. J'ai 8296. C'est en construction. Ok, c'est en construction. Bon, bah, va pas noter du coup parce que bah, c'est en construction. Là, c'est chez Avroz. Ah, pas mal. Il a fait un système et tout. Ah, ouais, donc ça, à mon avis, c'est encore en construction. Mais tu vois, il est vraiment posé. Il est vraiment posé dans son petit chez lui là, tranquille, pépère. Ah, j'aime bien l'idée un peu nature comme ça. Donc là, il a mis, c'est quoi ça? C'est des squelettons. Je sais pas pourquoi il a mis des squelettons par contre. Ah non, il a cassé, donc en fait, c'était une fail. J'aime bien, on va mettre la note de 6 sur 10. Regardez, il y a train de rajouter ces petits, ce petit côté nature là avec l'herbe. Non, mais j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais 6 sur 10, c'est pas mal, je pense, en vrai. Alors chez Oga, ah chez Oga, allez on va voir chez Oga. Chez Oga, frère, il y a une ambiance très froide, gros. Là, c'est vraiment le monde du pôle Nord, gros. C'est, il fait très très froid ici. Et là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir. À mon avis, ils vont relier leur chambre à deux, je pense. Je suis pas trop sûr. Donc, ouais, c'est en construction. On est dans un igloo, en fait, je pense. On est dans un igloo, donc ouais, pour l'instant, il y a pas grand-chose. On va mettre 5 sur 10 parce qu'il y a l'effort qui commence à être fait. Il y a tout mis en glace, en neige et tout. Donc je pense que c'est en construction. Je pense que c'est en construction. Putain, attention, là les frérots, c'est le rageur de l'équipe. On va aller voir chez le rageur de l'équipe tout de suite. Attention, je baisse la tête, gros. Je baisse la tête. Je regarde pas. Déjà, le sol, j'aime bien le sol. Attention. Wesh, tu voulais rentrer la visite au lieu de voler. Trahison Galban plus remboursement. Les petits drapeaux comme ça, j'aime bien. Ok. On est dans un thème end, je pense. C'est le thème end. Donc si j'arrive à louper ça, je suis vraiment un teubé. Un petit logo fidèle. Les petits drapeaux. On est dans le thème end. Ces coffres, ils sont sécu, ils sont cachés dans l'eau. Petit aquarium. J'aime bien. 8 sur 10, les amis, pour moi. Pour moi, c'est une très belle base. J'aime bien. Alors là, on va aller chez MQ de In Germany. T'es un frère, son pseudo, il y a tout l'alphabet, gros. J'aime bien aussi. C'est en construction. Tu vois, n'empêche, toute la fac, gros, on voit. Ils ont des petits espaces comme ça. Et à chaque fois, ils arrivent à te faire des trucs quand même assez fous. On change de thème et tout. Donc, c'est vraiment stylé. Et je vous rappelle dans la vidéo que c'est la première fois que je vois leur home, bah leur base du coup. Et c'est vraiment, j'aime bien parce qu'en fait on a une base claim très belle en fait avec pas mal de belles bases. Donc j'aime bien. Et ici je ne sais pas ce que c'est. Non, il n'y a pas de coffre caché en fait pour l'instant. C'est vraiment, c'est en construction aussi. Donc je vais mettre un 5 sur 10 parce que j'aime bien. L'idée elle peut être très belle. Un petit château fort et tout, sa petite maison avec un petit pont. J'aime bien, c'est stylé. Ça me fait plaisir de voir ça, j'aime bien. Mei, le temple, on va regarder ça tout de suite chez Mei. Ah, j'aime bien. C'est un temple japonais. Ah, j'adore. Vraiment, gros. Là, vraiment, j'aime bien. Je mets la note de 8,5 sur 10. Là, les amis, on va voir chez Plume, là, attention. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, alors? Qu'est-ce que c'est le thème? C'est la nature, c'est un lac, c'est dans la prairie, l'amour est dans le pré, je sais pas trop ce que c'est. Bon, 6 sur 10, parce qu'il y a de la déco, on va dire. Je crois que c'est une ferme, en fait, ce que t'as fait, je pense. Hein. Vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez que c'est une ferme, gros? C'est une ferme, ce qu'il a fait, je pense, non? Étage de Tillis, Frontway et Aloex. Alors, frère, je pense qu'ils ont fait un truc monstre, parce qu'ils sont trois, donc ils ont un étage à eux complet dans la base claim. Je pense que ça va être intéressant. Alors, déjà gros, t'arrives ici. Et franchement, je pense que ça va être stylé. Bienvenue dans la TAF COP. Ok, donc, waouh. Petit don. Nickel. Bah, merci du don. Ça me fait super plaisir. C'est très gentil de votre part. Regardez ce petit confort, les gars, en mode cocooning. Ça fait super beau. C'est super plaisir. Une petite fontaine dans leur base. On est vraiment dans un petit monde. Mais franchement, j'aime bien, gros. Ici, un petit rocher. Il y a quoi dedans? Dropper, dont entrer. Bah, moi je rentre. Ici c'est leur coffre, leur truc caché. Franchement les gars, parce que c'est vraiment le thème que j'aime bien, c'est le Japon en plus, vous le savez. On va mettre un 9 sur 10 les amis, 9 sur 10 parce que déjà c'est grand.
Il y a des coffres, il y a de la déco, c'est calme, tu rentres ici, t'es apaisé, genre t'es en mode cocooning Chanel, ça veut rien dire. Mais vraiment, on est bien 9 sur 10, je pense que c'est mérité. Alors attention, on va visiter mon Spirou le plus fort que Fax. Alors, on va regarder ce qui se passe chez lui. Ouh, ici on est dans un espace jungle, les amis. Je pense que c'est un espace jungle. 6 sur 10, les amis, 6 sur 10, il y a des lianes et tout, tranquille, pépère. C'est quoi le levier ici? Se passe quoi quand on clique sur le levier? Il se passe quelque chose de ouf. Fax et le V-Codin. Le V-Codin. Comment ça marche chez eux? Build by Foxma. Donc Foxma, gros, je vois qu'il y a aidé notre fac à build. Bon, c'est gentil de sa part. C'est gentil de sa part. Donc là, on est dans un espace. Ok, encore pôle Nord. Ici, c'est quoi? C'est un joueur? Ah, merde, non, c'est une. Ok. Ça, c'est un igloo. Ok, c'est un igloo. 7 sur 10. 7 sur 10 parce que j'aime bien le petit. Bah, le petit personnage que vous avez mis dans votre igloo avec le feu de camp et tout. Ça fait vraiment. Bah, ça complète votre paysage, quoi, en vrai. Hein. Sinon, il n'y a pas de truc d'exceptionnel, mis à part les murs et le sol. Carlos. C'est chez Carlos, ça? Attends, j'ai un panneau, je vais mettre le. Attends, bouge. Ah, Ah c'est ouais. Attends, beau! Bougez-vous, je mets le panneau. C'est chez Carlos. Ah, c'est super stylé, gros, chez toi, Carlos. J'aime bien, gros. Pas dans le truc, mais ouais. C'est des tableaux tranquilles avec un tapis rouge et tout, mais vraiment, c'est stylé. Allez. 7,9 sur 10. Les mecs dans l'excès. J'aime bien. Carlos, très bonne base. J'aime bien. VH. Oula. On va aller voir chez VH. Tu sens que ça sent le Québec, hein. Il y a du bois, y a du plancher. Ça, c'est le Québécois. Ici, ça se voit que c'est le Alors, Québécois. juste je fais le messager de sa part. Ce n'est pas du tout québécois. C'est censé être une maison japonaise vue de l'intérieur. Et en fait, Et c'est un labyrinthe, il en y a fait. deux étages. Bedrock. Ah, ok, en fait, il a fait un event dans sa base. Putain, c'est beau, il s'est quand même bien build. C'est vraiment stylé chez lui. J'aime bien l'idée. C'est vrai que ça fait maison japonaise à l'intérieur. Ça fait ça. En fait, tout simplement, c'est serré comme ça. Et puis, il est où le deuxième étage? C'est là où il y avait les coffres. Trois étages, je crois. Là, et tu montes par là. Ah ouais. Putain, mais gros, dans son petit espace, il a réussi à faire tout ça. Mais regardez-moi tout Là ça. aussi, Mais c'est putain, cool. mais gros. Mais vraiment, j'aime bien sa base aussi, gros. Vous avez de la concurrence, là, Tilis. Je mettrai, les amis, la note de 8,8 sur 10. Yes. 8,8 sur 10 à VH. VH, désolé. Mais c'est vrai que c'était un peu plus détaillé de l'autre côté. Là, ici, on est dans une maison japonaise. Voilà, tu vois, il n'y a que des planches. Mettre des blocs. Mais c'est beau, c'est très très beau. J'aime bien. Vraiment, c'est une très belle idée. Et j'espère que tu vas plus l'approfondir, ton idée. L'entrée du dragon. D'accord, donc elle est où l'entrée? Non, l'entre. Ah merde. L'entrée du dragon. Ok, ne L'entrée du cherchez pas. dragon. Alors, est-ce qu'on est sur le. Alors, est-ce que c'est un thème. Ah, t'as, c'est beau. T'as, mais j'y arrive pas à croire qu'il y a toutes ces bases dans notre base claim, quoi. C'est vraiment incroyable, hein, les gars. Ce que vous faites, c'est énorme. Bah, c'est une tête de dragon. Bah ouais. Under dragon. Bah oui, voilà. Voilà. C'est ce que je viens de voir ta tête de dragon. C'est vraiment stylé, une petite fontaine comme ça lave. Là, franchement, il y a du détail, hein, les gars. Tilis et tout, les gars, franchement, là, il y a du détail. Hein. Là, les gars, le 9,3 sur 10 pour toi, Killer. Hein, tu passes devant, là. 9,3, gros. Il y a vraiment beaucoup de détails. Hein. Là, c'est vraiment détaillé. La petite fontaine avec la tête du dragon. Le petit totem au milieu, là, pour protéger les coffres. De la nether un peu partout et tout. Franchement là on est bien chez toi, vraiment on est bien aussi. Bon les amis, du coup là on est en train de faire votre défi. Nous avons décidé avec la faction que ça va être très chaud pour nous, donc on espère pas non plus faire comme cette vidéo. Je m'attendais vraiment pas à qu'il y a autant de likes aussi rapidement. À chaque like, non tous les paliers de 10 likes pardon, nous allons payer 500 points faction dans le serveur. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va avoir 10 likes, 20 likes, 30 likes, à chaque palier de 10, nous allons payer 500 points faction, les amis. Donc ça va être une grosse somme si vous mettez beaucoup de likes. Je pense que toute la faction, ils sont en sueur déjà, ils sont en train de se dire putain, on va devoir farm.
Mais les frérots, c'est comme ça. On a respecté votre palier des 105 likes avec les spawners. Donc bah maintenant, est-ce qu'on aura beaucoup de likes ou pas sur ce palier, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-vous bien que à chaque fois que vous mettrez un like et qu'on atteindra les 10 likes, tous les paliers 10, bah, il y aura 500 points faction à ajouter dans le serveur. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé l'épisode numéro 6, la présentation de toutes les bases de nos membres dans la base Claim. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre défi, des défis drôles. Par exemple, j'ai vu gagner un totem sans stuff, gagner un KOTH sans stuff ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Allez-y, donnez vos défis, on prendra les meilleurs défis également pour l'épisode numéro 7, parce que oui, la série avance déjà rapidement. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous donnez vos notes pour les bases, vous donnez également un petit défi. Et n'oubliez pas, à chaque palier de like, donc tous les 10 likes, nous ajouterons 500 points faction à notre faction. Donc on va devoir farm comme des gros porcs si vous voulez nous faire chier. Ça va être la misère. En tout cas, merci à vous, merci de ton abonnement, merci de ton like, merci de ton commentaire. Très bonne journée, très bonne soirée, bye bye.